Myliane Labrie prépare son cheval pour une séance d'équitation thérapeutique. Pour l'adolescente, monter à cheval, c'est avant tout une activité amusante, c'est un jeu. Et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles cette thérapie est efficace. Depuis que je fais ça, ben je me sens plus consciente de ce que je fais. Je me sens confiante, puis j'ai plus de facilité à gérer mon stress. Puis surtout à la maison, là, ben, ou à l'école, j'ai plus de facilité à me concentrer sur ce que je fais. Puis ça m'a beaucoup aidée. Audrey, ma professeure, elle me dit qu'il fallait se sentir consciente puis confiante. Puis ben moi, j'ai compris qu'avec un cheval, il faut pas mal faire ça, sinon ça marchera pas. C'est pour tout le monde, en fait, ou presque, qui a des difficultés sur le plan comportemental, émotionnel, psychologique, intellectuel. C'est pour à peu près tout le monde. C'est sûr que nous, c'est plus que de l'équitation thérapeutique au sens du terme, c'est de la psychoéducation assistée par le cheval, parce que je suis psychoéducatrice de formation. Donc, l'équithérapie existe à Sherbrooke depuis longtemps, surtout grâce à la contribution de l'organisme Le Galopin. Malheureusement, Le Galopin n'existe plus depuis environ un an, mais les chevaux, eux, ont trouvé une nouvelle maison grâce à la générosité de Diane Langelier, qui a démarré le ranch thérapeutique Cheval de soie. Malheureusement, j'étais un peu malade il y a environ 3 ans. Là, vu au travail, j'ai fait un épuisement professionnel et c'est là que j'ai découvert que les chevaux avaient un rôle très important dans la thérapie des gens, d'abord pour moi-même. Et quand j'ai su que finalement ça fermait, bien là, j'étais intéressée par les chevaux. Mon but, c'est de continuer, dans le fond, c'est de continuer à offrir ce service de thérapie à partir des chevaux, que ce soit du mieux-être, que ce soit de la thérapie physique ou psychologique, avec les chevaux. Donc, poursuivre un peu ce que le galopin, finalement, avait entrepris pendant plusieurs années, puis était un travail extraordinaire, tu sais. Ça fonctionne, c'est vraiment efficace. On a amené un groupe de clientèle avec des troubles envahissants de développement. Et ce qu'on a pu observer chez eux, finalement, c'est toute la joie qu'ils ont à venir ici. Et on a vu évoluer aussi leurs habiletés d'entrer en contact avec les animaux, principalement les chevaux naturellement, mais aussi de prendre confiance en eux et de faire des activités ou des actions auxquelles on ne les voyait jamais faire auparavant.